Yosh tout le monde, vous êtes bien sûr du Chat Channel et je n'ai qu'une chose à dire, c'est bonne année! Bonne année! On est en 2016 et j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont super bien passées, le réveillon, le... enfin bref. Et pour fêter cette nouvelle année, on se retrouve sur un jeu que j'ai acheté, je sais plus quand, et que j'ai jamais pris le temps de commencer, donc Forward to the Sky. Ok. Paraître. Ok. Je sais pas où c'est, comment c'est le jeu en fait. On va essayer. Ça c'est quoi? Ah, c'est touche. Ok, bon, c'est cool. Alors. Ok, tout simple, ça se joue au clavier. Ça, je pense que ça doit être pour sauvegarder. Voilà, c'est ça. On va voir les chapitres. La montgolfière. C'est pour voir les levels. Ok, bah, level 1, 1, c'est parti. Alors. Ah, c'est en anglais. Alors, il y a une légende qui dit que dans la tour du ciel vivait une sorcière. Oui, c'est ça. Elle était très moche et vilaine. Et tout le monde avait peur d'elle. Alors, la sorcière avait tous les cristals et avait attaqué les gens, le peuple. Le peuple de la tour du ciel. Certains vraiment chanceux ont réussi à s'échapper du tour de la tour et ils ont échappé à leur tragique histoire. Putain, c'est dur. C'est dur de traduire en même temps. Et alors, la tour du ciel a récemment réémergé des nuages et une jeune princesse est parti pour combattre la tour Expel, je pense que c'est pour combattre la sorcière de la tour et reprendre les cristals pour les donner à son peuple. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Alors, Six et se cacher. Alors, la princesse doit cacher les. Non, doit retrouver les fragments de cristaux cachés à l'intérieur des monstres et des statues d'anges. Il y a 100 fragments de cristal cachés dans chaque palier, dans chaque level ouais, de la tour. Et quand on rassemble 33 fragments de cristal, ça fait une section de mémoire de la tour. Alors, chercher les statues, combattre les monstres, collecter les fragments de cristal et vous découvrirez le secret, enfin l'histoire de la tour. Bon, s'il vous plaît, ne me mettez plus de texte. Ok. Alors, c'est moi. Je suis mignonne. Ok, alors, si je me souviens bien, ça c'est donné des coups, ok. Donc on avance comme ça. Non, on avance, j'ai dit. Ah! Évidemment, si tu passes pas ton jeu en anglais, enfin ton clavier en QWERTY, ça va beaucoup moins bien marcher. Comment on fait pour sauter? Ok, l'espace, tout simple. Ok. Ok, ça commence bien! Le tout premier saut du jeu, je l'ai complètement raté! On va essayer de... Voilà. Bon. C'est des méchants, des gentils, ce truc. Est-ce que... Non. Comme on sait pas, on va dire qu'on va taper dessus, hein. Enfin, si j'y arrive. Reviens là. Reviens là. Oh, c'est terrible. Ah, ok, j'ai déjà collecté des morceaux de fragments. Pas mal, bon. Alors, allons-y, hein. En tout cas, j'ai envie de vous dire, moi je trouve le jeu super beau. Ok, donc il y a un cristal dans la statue. Ok, je dois casser là. Ok, si la légende est vraie, je devrais pouvoir, en récoltant tous les cristaux, découvrir le secret de la tour. Ok. Eh, c'est bon, je suis une master du saut maintenant. Qu'est-ce que tu crois?
Ok, alors là, des leviers, on va frapper dessus. C'était pas trop ce qu'il fallait faire. Bon, si je frappe sur celui-là. Ok. Où est-ce que se cache la sorcière? Est-ce qu'il y a des indices à l'intérieur des cristaux? Ah, si ça continue, je serai la héros qui... Eh, mais tu parles trop vite! Je m'en garde tous ceux qui m'appellent une sorcière, une princesse. J'essaierai de vous mettre. Non, mais. Ah! J'ai cru que c'était parti sans moi. Ok. C'est bien beau tout ça, mais on va où? Oula! Oula, oula! Oula! Doucement! Oula, doucement! Je sais pas, mais c'était pas une humaine. Et il y a une voix qui sort des cristaux. Ok, c'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Ouais, je viens. On dirait que je peux bouger les caisses en bois. Oui, il y a des énormes mains dessus. Ok. On va essayer de les mettre les unes sur les autres pour faire un une espèce de pont comme ça. Okay, par contre, elle est super puissante. Hein. Pousse les caisses en bois tranquille. Ok, je suis vraiment très déçue. Je n'ai pas du tout ce que j'espérais faire. Ok, par là, de toute façon, c'est la mort. Ok, et si. Et là. Ok, attendez, je vais juste essayer si je pousse une caisse en bois. Est-ce que ça suffit? Qui c'est qui me balance des trucs? Par contre, c'est pas. C'est pas vraiment très pratique. Ok, c'est eux. Non, mais oh! Ah! Quand même! Allez, mourez maintenant! Voilà! Mais oh, vous avez cru où? Human. Oui, bon, bah, je sais pas qui c'est, celle-là, mais elle va se calmer. Ok, on est en train de lui dire, vas-y, sors de ton trou, j'ai pas peur de toi, sale sorcière. En tout cas, on défait des squelettes vraiment kawaii! J'avais vu des squelettes aussi mignons! Putain, ça change, j'ai que des squelettes dans Castlevania, hein! Ok, donc on. Ok, donc les 1000, ça doit être notre vie. Et les 38, c'est de ce qu'on a dû récolter. Faut que j'arrête de faire des conneries, moi. Ok. Non! Je dis ça, qu'est-ce que je fais? Mais des conneries. Ah! Ah! Ok, ça c'est pour faire. Non! Ah, ça m'apprendra à faire le zouave! Ok, heureusement, on a notre super montgolfière qui vient nous chercher. Par contre, bah, résultat, voilà, faut tout que je me retape. Pas moyen de faire des galipettes. En fait, c'est ce que je voulais regarder. Non, je pense pas. Ou alors, je sais pas. Attendez. Ah! Oh bah, mais non! Et oh, doucement, on va se calmer, hein! Je fais ce que je peux. J'essaie de réfléchir. Quand est-ce qu'il faut que je passe? Ok. Là, 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 là. Voilà! La voix, on l'entend plus. Ok, elle a peur de la voix. Heureusement que personne m'a vu, a vu ma stupidité. Non, je ne peux pas être effrayée. Ok, ah! Ok, fallait que j'aille sur l'autre côté. Ok, vas-y.
arriver, on va y arriver. Je suis prête. Ces sauts me dépriment. C'est moi, il vient de me poser au bord du gouffre là. Ok, bah quand est-ce qu'il faut que je saute sur cette plateforme de merde? Ah, ça se trouve, faut que je tombe dessus d'en haut. Ah, je pense que c'est ça. Genre là. Voilà. Liv, pars. Allez, montre-toi, sorcière. J'ai pas peur de toi. Ok, 50 leviers, on va essayer de l'or. Ok. Non, je pense qu'il faut tous les activer. Ok. Donc. Là. On va y aller tout doucement, hein. Là. Ok, on peut rien faire. Non. Si je vais là. Non plus. Ok, donc. C'est reparti. Là. Là. Là, là, là. Putain, t'as pas trop. Putain, je suis encore coincé. Ça servait à quoi que j'active ces leviers si c'est pour être coincé? Non, c'est pas celui-là. Attends, et si je fais ça? Ah, ça me paraît pas mal. Là, là. En haut, voilà. Là. Ici. Ah, parfait, à parle. C'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie. Putain, on dirait la voix de Ruby dans... Bah dans Ruby. Ah, ok. Ok, attends. Hey, oh, je peux pas me battre et écouter ce que tu dis en même temps. En plus, c'est en anglais. Je... Aussi, un mal fou à éviter les trucs dans ce jeu. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie en glandant rien. Ok. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie. La 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 la. Ah, regardez, il y a la montgolfière là-haut. J'espère que c'est l'arrivée. Ok, donc faut que j'aille là. Il y a un cristal, je le vois. Il y a aussi plein de pics. Ok, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Ok, maintenant faut faire demi-tour, il y a plein de pics. Non, 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 non! J'ai fait de la merde tellement. Ok, là il y a des cartons. Elle dit, tu te caches parce que t'as peur de moi. Pourquoi il y a des cartons? Ah, là où il y a un truc. Je vais y arriver. Je vais y arriver! C'est une question de persévérance, j'ai envie de vous dire. J'aimerais juste arrêter de sauter à côté depuis tout à l'heure. Allez, on va y aller tout doucement. Voilà. Voilà. Ok, c'est pour monter encore plus haut. D'accord. Allez, viens là, mon petit carton.
juste là. Comment je fais pour y aller? Ah, ok, j'ai compris. Donc si je réactive ça, voilà. Ah, faut réfléchir quand même, hein. Voilà. Et voilà. 100, et bah c'est parfait. Fallait pas en avoir 100, ça me paraît bien, 100. Ok, pop, pof. Pof. Non, c'est pas que je viens. Je viens d'où? Non, 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 c'est par là qu'il faut aller. Voilà, la montgolfière est là. Ouh. Ça va. Alors, j'ai plus de vie, donc on va essayer de finir ces niveaux sans se prendre de pique. Ouais, la montgolfière. Allez. Alors, ça veut me dire quoi? J'espère les avoir tous eus quand même. Alors, la princesse avance à travers la tour. Elle découvre le vrai aspect des cristaux. Il y a longtemps, les peuples minaient, ont miné les cristaux. Ouh là 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 là, je comprends pas en fait. Je pensais être meilleure en anglais que ça. Alors, mais le peuple a trop miné. Je pense que c'est miné. Les cristaux et au fur et à mesure, les mines devenaient vides. Et il restait seulement quelques cristaux. Alors que les autres ne produisaient plus rien. C'était durant ces temps assez durs qu'une petite fille particulière est née. Curieusement, les cristaux naissaient de son corps. Et les gens étaient... Je ne sais pas. Ok, bah écoutez, moi je dis c'est parfait. On a fini le premier niveau. On va s'arrêter là. C'était juste pour faire découvrir donc le jeu... Calme-toi. T'as fini de parler? Ok, bah c'était voilà juste une petite vidéo pour vous faire découvrir le jeu. Putain, il me voit pas d'ici. Pour vous faire découvrir le jeu Far Out to the Sky, qui est donc en anglais. J'avais oublié. Sinon, je m'étais préparé mentalement à vous traduire. Et je vous souhaite à tous une très bonne année 2016. De tous mes vœux les plus chers. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!